Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Let's Play de Last of Us en mode réaliste. Alors, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue parce que j'en ai fait une qui est un petit peu longue en mode détente. Alors, j'espère que celle-ci en réaliste sera plus courte. Au programme, traverser la forêt à cheval. À la recherche des lits, donc avec l'espèce de mini barrage là où il y a 5 ou 6 ennemis. Ensuite, nous serons dans la maison après avoir retrouvé les lits. Là, il y aura encore 5 ou 6 ennemis. Ensuite, si tout va bien, nous continuerons. Nous arriverons à l'université. Là, rien d'exceptionnel, deux passages un peu chiants, hein, donc le premier où il faudra remettre l'électricité et le deuxième passage où il faudra remettre l'électricité aussi différemment. Et ensuite, nous nous arrêterons là. Mais souvent ce genre de truc? Pas comme ça. Je sais pas ce qui lui prend. Allez. Donc là, rien d'exceptionnel, hein, à part voir un beau paysage. Hop. Alors. On va arriver bientôt au premier passage. Hop hop hop. On y arrive, on y arrive. Ah! On y arrive. Peut-être par là, remarque. Ouais, c'est par là. Allez, c'est parti. Attends, laisse-moi me planquer, après je te dirai. Fais le tour, je te couvre. T'es ? J'ai pas grand-chose pour t'aider, garçon. Ça, je sens que je vais le faire plusieurs fois. Quelque chose me dit que... Oula. Bon, première tentative. Je crois que ça sert à rien de passer par là. Doing. Alors, je vois personne. Mm-hmm.
Je le tiens, les gars. Qu'est-ce qu'il fait? Il a envie, hein, mais... Il est pas mort. Encore un. Ouf. Bah, c'était pas évident. Soigner. Bon ben voilà. Pas des flèches. Une. Putain. Les temps sont durs. Yaaay. Il y avait une flèche. Voir si en mourant il a pas laissé quelque chose. Non, y a rien. Bon, allez. Ok, ok. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Allez, chevaux, venez. C'est vraiment un passage peu évident. Et je pensais pas qu'ils étaient aussi nombreux. Arrive au ranch. Ok. Hop là. La voie a l'air libre. Allez, dans un premier temps, fouillons. Je n'espère pas beaucoup, hein. Oh, une merde. Ouais.
Ouais, y'a rien. On va voir, c'est pas fini, hein. Peut-être que ils vont lâcher un objet. Non, vous voulez pas? Rien du tout? J'ai tout fait là. Tac, tac, tac. Ah non, là-bas, je suis pas allé. Non. Bizarre. Et là? Ah, un papier petit, ils sont faits. Y a un bug ou quoi? Ah, fait. Bon, ben voilà, on a récupéré un papier. Bon, pour les cocktails Molotov et les trousses de soins. Ouais. Une BD, on s'en fout. Allez, vas-y, tu peux le faire. Non, y'a rien. Y'a rien. Oh. Incroyable. Incroyable. Putain, ça, je l'ai saigné de faire ça. Ouais, bon, bah là, j'espère plus rien. Putain, incroyable. Ouais, non, je vais pas la laisser. Alors, j'ai trop d'eau. Trousse de saut, cocktail Molotov. On va faire un petit cocktail. Hein. Ça prend à me servir. J'espère pas, hein, parce que si j'utilise le cocktail, c'est que je suis loin de désespérer. Hein. Mais bon. Allez, on arrive à Ellie. Elle se souciait vraiment que de ça. Les garçons, les films. Décider quel haut mettre avec quelle jupe. C'est bizarre. Lève-toi, on y va. Allez. Et si je dis non? Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu représentes? Hein? Pour t'enfuir comme ça, mettre ta vie en danger, c'est vraiment pas malin. Ouais, bah, je suppose qu'on est tous les deux déçus l'un de l'autre, alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avoue que tu voulais te débarrasser de moi depuis le début. Tommy connaît ce coin mieux que personne. Ok, désolé, mais j'ai plus confiance en lui qu'en moi-même. Arrête un peu tes conneries. Qu'est-ce qui te fait si peur? Que je finisse comme Sam? Je peux pas être infectée. Je peux me débrouiller toute seule. Combien de fois on a failli passer? Eh ben, on s'en sort plutôt bien pour l'instant. Et maintenant, tu t'en sortiras encore mieux avec Tommy. Je suis pas elle, tu sais. Quoi? Maria m'a dit pour Sarah. Allez. Là, tu t'aventures sur un terrain miné. Je suis désolée pour ta fille, Joël. Mais moi aussi, j'ai perdu des proches. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes, m'ont abandonnée. Toutes sauf toi, merde. Alors me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre, parce que la vérité, c'est que j'aurai encore plus peur. Tu as raison. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père. Alors il est grand temps de se séparer. Préparez-vous, on n'est pas seul. J'en ai deux en approche. Et il y en a encore plus à l'intérieur. Bon. Voilà, il va y avoir de l'action. Donc, bon, le premier, relativement facile. C'est impressionnant, là. Non.
Ah, moi, est-ce qu'il soit allongé? Putain, il m'a vu cet enfoiré. Le premier, c'est bon. Voilà. Reste derrière. Regarde par là. C'est bien parce que ça, on les tient un coup avec cette arme. Bon, il y en a un en face qui est chaud. Il y en a un autre, je sais pas où il est. Ok. Il est où ton collègue? Putain, mais c'est pas vrai. Bon. Ah, voilà. Donc, ouais. C'est bon. Y a plus personne. Non. Bon. C'est bon. Tu veux de l'aide? C'est bon. Dommage que je puisse pas voir depuis combien de temps j'enregistre là. Bon, je pense que de toute manière je vais m'arrêter là. Hein. Ellie, descends de ton cheval. Prends-le à Tommy. Je vais garder celui-là si ça te dérange pas.
Allez, m'oblige pas à répéter. Qu'est-ce que tu fais? Ta femme me fait un peu peur. J'ai pas envie d'avoir affaire à elle. Désolé d'avoir volé le cheval. Écoute, reviens en ville, on en discute au moins. Tu me connais. Je suis têtu. L'université de l'Est du Colorado. Et où je le trouve, ce labo? Dans le bâtiment des sciences. On dirait un miroir géant, tu peux pas le lever. Prends bien soin de ta femme. Il y a une place pour toi ici, tu sais. Prête? Je suis prête. Adios, petit frère. Et voilà, nous sommes arrivés à la fac. C'est ça, c'est un turnover. Et si on atteint les 10 yards, retour au premier essai? Premier tentative, c'est ça. Oh, tu parles d'une prise de tête? Il suffit d'un ou deux matchs pour bien comprendre les règles. Voilà, et ben on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je rattraperai mon retard par rapport au mode détente dans la prochaine vidéo. Faut dire que mode détente, la vidéo était assez longue, alors au mode réaliste, elle sera encore plus longue, même si je vous avoue que je me sens tiré de continuer. Mais je réfléchis et je vais en avoir quand même pour un peu de temps. Bon, on va s'arrêter là. Allez, je vous laisse, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao. Hello, finalement on se retrouve. J'ai décidé de, au vu de la durée de la première vidéo, de vous faire la suite. Donc bon, bah, j'espère que vous êtes contents. Du coup, on va vraiment bombarder. Sinon, ça rentrera plus dans les durées de vidéos que je veux faire. Alors alors ça commence. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc. On redescend. Pas une ouverture là pour lance-flamme. Ouais, voilà. Ah, ça commence à vous. Reste ici, Durie. Puis franchement, c'est pas un nom, quoi, Durie. C'est toi qui as oublié de demander son nom à Tony. Ça, on s'en fout. Y'a rien, y'a rien, y'a rien. Ah, des gélules. Ok. Bon, et lance-flamme. Faudrait le prendre quand même. Voilà. Ça pourra peut-être me servir. Alors. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose à récupérer. Mais on va quand même jeter un coup d'œil. Ah oui, c'est pas le poste de garde ici. Ah non, c'est peut-être à l'étage. Il y a peut-être quelque chose à récupérer. S'ils sont généreux. On va voir ça. Alors. C'était un poste de surveillance. Ouais, bon. Allez. On redescend. Donc ça c'est bon. Allez. Tac 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 tac. Hop hop hop. Même si c'est pas. Ah bah c'est fait. Même si c'est pas indispensable, on le prend quand même. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en.
Non. Saute. Alors, tac, y'a rien. Rien. Allez, on arrive à la première partie de la. De l'université. Alors. Bon, inutile de faire tout ça. Vous savez ce qui m'attend. Ce qui m'attend, c'est de prendre les escaliers déjà. Alors, comment on va la jouer celle-là? Hop, on recommence. Si je passe par là, il y a quoi là? Oh, des gélules. Bon. D'accord. Allez, hein. Aidez. Chante ou quoi? Oh, j'ai pas de cul. Oh. Allez, on recommence. Dommage, j'ai perdu des balles de lance-flamme. Bon, c'est pas pour 8 balles. Mais bon, c'est pas grave. Comment j'ai fait pour me faire voir? J'ai sauté, hein, j'étais trop proche. D'après le jeu. Perdu, hein. Voilà. Voilà. Pour moi, ça va. Méfiez-vous parce qu'il y en a une qui est là-bas. Oh putain, il y en a deux même. Trois. Bon.
Voilà. Je crois que c'est la première fois que j'ai aussi bien joué. On va essayer de bien finir surtout. C'est comme je te mettrais une flèche dans la tête. Hein. Oh, quand il fait ça. Ah bah j'ai récupéré mes balles et puis j'ai bien éclaté la tête. Allez, bon. Je fais un mini tour. Oh, bon. C'est rapide, y'a rien. Allez. Bon, première partie, c'est très très bien déroulé. Arrière, ouais. On redescend. Tu sais, je me disais, j'aurais voulu être astronaute. Sérieusement? Ouais. Qu'est-ce que tu t'imagines tout seul là-haut? Et toi? Ah ouais, je vais prendre le cheval quand même. La suite, j'ai juste jeté un coup d'œil, je me rappelais même pas que c'était ouvert ici. Non. Allez. Allez, on arrive au deuxième passage. Bon, on peut pas descendre en même temps. Voilà. Bon, le deuxième passage, normalement, il est tranquille. Hein. C'est ici, toi aussi. Ouais, c'est parce qu'en fait, j'étais censé parler avec elle et lui dire d'être prudente. Je suis bloqué la chaise. Ok, bon là, contrairement au mode détente. Yeah. Ouais, bof. Allez. Donc ici, il y a un endroit très simple qu'il faut longer afin de passer, de pas avoir de problème. Donc, on va voir ça ensemble. Dans un premier temps, vous l'avez compris, on regarde s'il y a des choses à récupérer. Malheureusement, il n'y a pas grand chose. Ok. À part des outils et des gélules, putain de merde. Bon. Allez, alors, rentrons dans le vif ou dans le mort du sujet. Donc là, comme j'ai dit en mode détente et que je vais redire à présent, il y a un titan, je crois qu'il s'appelle comme ça, ou je sais plus là. Un Golgoth. Si vous le tuez, vous gagnez un pendentif des lucioles. Il est là. Vous imaginez bien
que je vais pas essayer de le tuer. Alors, on attend que lui passe. Toujours avec cette pensée en visant. Allez. Alors là, il y en a un. Voilà. Putain. Comment j'ai pu rater en étant aussi près? Bon. On va voir si même en leur attend, je vais passer. Je suis pas doué quand même. On va essayer, je pense pas passer mais... On dirait que peut-être. J'ai réussi à l'arrêter. Je me suis mis dans la merde tous. Oh putain. Il va me suivre tout le long ou quoi lui? Connard. Bon. Combien j'ai de flèches du coup? Non, putain. Allez là, je vous le dis. Appuyez tant que vous pouvez. Ah, c'est un colosse, pas un titan, ouais. Voilà. Bon, si je l'avais eu... Ça m'aurait permis de le passer encore plus tranquillement, mais bon. Ouf. Encore désinfecté, je vais bien. Ça va, hein. Au final, ça aurait été beaucoup plus simple que le reste du jeu. Vous avez pu voir qu'au début, c'était beaucoup les brigands. Là, on est passé un peu plus... Ouais, non, remarque. Remarque, chez Tommy, c'était les brigands aussi. Hein. Bon. Pourquoi il y a des infectés aussi près du labo? Bill s'en servait pour se protéger. Si ça se trouve, ils font pareil. Ouais, c'est possible. Alors. Ouf. Ça, j'ai vu un truc, ça me fait de l'œil. Allez. Bon, vous l'avez compris, hein, je fouille les tentes. Et puis après... On va s'arrêter là cette fois-ci. Pour de bon. Pff, des outils, on s'en fout. C'est pas la peine. Rien du tout. Super. C'est quoi des outils encore? Bon, on va voir. Il y a un truc à côté. Voilà, des outils. Allez, on continue.
On va voir la tente qui est là-bas. Il n'y a rien là. Non. Alors, il y a deux tentes là. Ici, il y a rien. Et ici, il y a des outils. On s'en fout. Allez, alors. Hop là. Bon, on avance, mine de rien. On avance, on avance. Maintenant, on met le truc là. Et on grimpe. Ouais, y a pas d'autre façon de rentrer. Et voilà, et cette fois-ci, on s'arrête pour de bon. Voilà, la vidéo sera un petit peu plus longue, mais au moins comme ça, on aura mis un bon coup de boost dans le jeu. Allez, je vous laisse. Portez-vous bien. Et à très bientôt. Ciao, ciao.